Brigitte Macron, le gros dérapage de Jean-Marie Bigard sur l'âge de la première dame. Jean-Marie Bigard signe une nouvelle blague douteuse. Cette fois au sujet de Brigitte Macron, ce jeudi 17 décembre, l'Élysée annonçait qu'Emmanuel Macron avait été testé positif au coronavirus. Ce diagnostic a été établi suite à un test RT-PCR réalisé dès l'apparition de premiers symptômes, a-t-on précisé dans un communiqué. Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le président de la République s'isolera pendant 7 jours, ajoute la présidence. Si le président de la République continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, le Premier ministre, Jean Castex, cas contact d'Emmanuel Macron après un dîner à l'Élysée mercredi soir, fera de même. Ce dernier se place à l'isolement, bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie. Quant au cabinet de l'épouse du chef de l'État, fait savoir que Brigitte Macron est cas contact mais ne présente aucun symptôme. Elle avait été testée négative mardi 15 avant d'effectuer une visite dans un service pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. L'humoriste Jean-Marie Bigard a d'ailleurs rapidement réagi à « cette actualité et signe un nouveau dérapage sur l'âge de notre première dame », comme le souligne Galla. Il a reçu les résultats. Il est positif. À mon avis pas qu'à la Covid-19. Mais il est positif quand même. Fais gaffe à Brigitte, visage souriant, hashtag bon rétablissement pic.twitter.com/erit9048ay, Jean-Marie Bigard @jm-babigard, December 17, 2020 zapping, la réponse surréaliste d'Emmanuel Macron invité à participer à un album de rap volume 90% press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts raccourci clavier enable et disable de play pause space augmenter le volume diminuer le volume avancer reculer sous-titres activer désactiver plein écran sortir du mode plein écran désactiver le son activer le son m'avancer pour 109 prochaine vidéo Jennifer dévoile enfin sa surprise. Minuit 58 Facebook Twitter courriel LinkedIn liant https://www.public.fr/news/Brigitte Macron le gros dérapage de Jean-Marie Bigard sur l'âge de la première dame 1662373 point d'interrogation div source égale que copier intégrer inférieur à iframe src égale /cdnvideo.public.fr/players/wizipkid9mayutchmt.html edit-h=640height=360frames bordé égale 0 scrolling égale auto, visage aux yeux complètement fermé, /iframe supérieur à copier automatique 180p 1420p 720p 480p 180 live 002.000062.29062.28 plus de vidéos 002.58 Jennifer dévoile enfin sa surprise. 012.05 Boba publie une image compromettante de Vita. 012.04 Une ancienne Miss France fait tomber le haut. 00.52 Pascal Obispo, son fils Sean, 20 ans, en couple avec une véritable bombe. Slimane affole Instagram avec sa dernière photo. 012.06 Louane fait des confidences émouvantes sur une star française. 062.24 Zapping, clashé par Booba. Mathieu Kassovitz lui répond 072.48 zapping, vexé, René Malville quitte définitivement TPM fermé Jean Puy de Bas sponsorisé contenu sélectionné foie grasse gourmet.com commander le foie gras préféré des expatriés françaises foyer grasse gourmet.com sponsorisé contenu sélectionné annulé traîne de sketcher 30 célébrités dont on ne se serait jamais douté qu'elles étaient homosexuelles. La 12e surprendra toutes les femmes. 34 chez sponsorisé contenu sélectionné annulaire Delibreak la mariée interrompt la cérémonie et dévoile le vrai visage de son mari Delibreak sponsorisé contenu sélectionné annulé sponsorisé contenu sélectionné 34 Chercy installe un caméra dans sa chambre. Mais lorsqu'il voit pourquoi le chat le fixe toute la nuit, il appelle immédiatement les autorités strain de sketcher sponsorisé contenu sélectionné les annuleurs Irovarche beaucoup ont échoué avant. Voulez-vous terminer l'essai? Irowars sponsorisé contenu sélectionné annuler le cap. Photo, Nicole a disparu sur son lieu de travail.
20 ans plus tard, son frère fait une étonnante confession sur Facebook. Le cap sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné, annulé, sponsorisé, sponsorisé, contenu sélectionné.